Bonjour à tous les amis, c'est la fausse sceptique. Nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo théorie. Je vais jouer à Super Smash Flash 2 en arrière-plan pour nous situer un petit peu dans le décor. Aujourd'hui, nous allons faire une théorie sur One Piece. Nous allons parler de la guerre de Wano Queen. Une guerre qui va être pour le moins sanglante, alors si vous êtes une âme sensible, choquez-vous de vous abstenir. Donc, dans cette vidéo pour le moins plus théorique, je vais vous expliquer ce qui va se passer dans la guerre de Wano Kuni, la fameuse guerre annoncée par Eiichiro Oda dans le tome 50. Donc nous pouvons constater le fait que pour l'instant ça n'avance pas trop, hein, que ce soit dans les scans ou dans l'animé. Absolument rien ne se passe. Nous avons juste des espèces de monstres du folklore japonais, des légendes urbaines. C'est pour ça que nous pouvons apercevoir des personnages tels que les monstres du Loch Ness, qui est une tortue, avec un bec de canard, qui peut parler, et disons que c'est pour le moins flippant. Donc j'ai réuni tout un tas d'informations pour comprendre. Et grosso modo, la guerre de Wano Kuni va être pire que la guerre de Marineford. La guerre qui entraîna la mort de Barbe Noire. Barbe Noire y perdit la vie et laissa planche à Barbe Blanche. Donc qui lui est le méchant de l'histoire, à moins que ce soit l'inverse. Et que Barbe Rousse soit peut-être dans l'histoire, mais enfin, je vous avoue qu'avec toutes ces barbes, on s'en sort plus vraiment. Nous pouvons constater que dans la guerre de Wano, la guerre va être sanglante, et c'est ce que je vous dis depuis maintenant 30 secondes. Pourquoi? Parce que l'équipage du chapeau de paille est présent au grand complet. Roro, Roro, Zoro, ainsi que Robin, Nami et Chopper, tous réunis. Mais je vais m'arrêter là et je vais dans une prochaine vidéo vous parler de One Piece. Donc je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne nuit. Bonsoir et bonne soirée. Bonne soirée.